Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 27ème épisode de notre Let's Play sur le mode légende d'Hyrule Warriors Definitive Edition sur Switch. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on s'est quitté la dernière fois, on a triomphé du désert Gerudo et de l'armée de Ganondorf menée par Jirem Exantou sans grande difficulté. Et aujourd'hui on est prêt à livrer la bataille finale de l'histoire principale, le libérateur du triangle sacré au château de Ganon, en sachant qu'il restera encore quelques batailles à faire, c'est pour ça qu'on a encore plus ou moins une semaine de contenu. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me céder le moment épique et les failles avec les hashtags associés, c'est épique, PIC, hashtag fail et fail, plus le moment exact que vous voulez voir ajouté à la compile. J'en profite aussi pour dire que si vous regardez dans la description, vous voyez qu'il y a un lien en plus qui a popé. C'est qu'on a quelque chose qui menace plus ou moins YouTube. J'y viendrai plus en détail dans l'épisode de Pokémon que vous verrez tout à l'heure à 18h30. Voilà, j'en dis pas plus, mais si vous pouviez aller dessus et aider, ça serait cool. Allez, on va pas tergiverser plus longtemps, on est prêt à aller tataner Ganondorf une bonne fois pour toutes, en tout cas avec Link. C'est parti. De toute façon, dans ceux qui peuvent y aller, il y a juste Link et Zelda, et bien sûr on va y aller avec Link pour le côté roleplay. Allez. Alors, après le triomphe de Zelda dans le désert Gerudo, les troupes d'Impa parvinrent à localiser Ganondorf. Il avait pris le contrôle du château d'Hyrule et l'avait transformé à son image. Dans sa forteresse, il préparait un innommable rituel. Ah, c'est pour Ganon. Link, Zelda et tous leurs compagnons, venus des quatre coins du temps, se mirent en marche vers le château de Ganon, prêts à livrer la bataille finale. S'ils tombaient au combat, ils entraîneraient tout le royaume d'Hyrule avec eux dans leur chute. Ah, c'est la bataille finale. On va reprendre le château d'Hyrule. Alors, que je regarde, on a un hibou près du château et un hibou qui a un hibou de l'autre côté. Ok, donc le champ de bataille va un peu. Donc Link, Lana, Impa, Midona, Zelda ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capitaines d'Hyrule. Donc en face, on a Ganondorf, 2 Pyrodaxilus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 11 Dinolfos et 1, 2, 3, 4, 5, 5 matrons Alfos et un gardien de porte pour nous empêcher de rentrer dans le château d'Hyrule. Et donc nous, on a aucun fort, va falloir qu'on prenne un max de trucs. Ok. La situation, vaincre Ganondorf en évitant que Zelda ne s'enfuit. La bataille finale va commencer maintenant. Oh punaise. Avec le truc au-dessus, c'est vraiment référence à Ocarina of Time. On y va. Ganondorf a pris position dans le château. Nous le vaincrons pour ramener la lumière en ce monde. C'est vrai. Les donjons d'affronter le dragon à la fois. Éliminez-les avant qu'ils ne se rejoignent. Ok, c'est une mort femme. Ok, donc première mission, éliminer les deux Pyrodactylus. Ok. Ok, donc ils prennent le Pyrodactylus sonore, moi je vais m'occuper de celui au sud. On y va. Impa avance vers le Pyrodactylus au sud. Je suis en train de me dire entre... Je vais prendre vite fait le fort sud de la plaine. Ça me permet de créer une jauge de coup fatal. Ok, Pyrodactylus est ici, je m'occupe de toi. Salut ma grosse. Les Dinolfos s'avancent vers Zelda. Allez. Bourrinage. Tout le monde est en danger, ça, c'est sûr. Allez. Éliminez les Dinolfos qui avancent. Bah, tu m'excuseras, je vais juste m'occuper du Pyrodactylus d'abord. Le Pyrodactylus est un peu plus menaçant. Un trésor semble reposer dans le fort ouest du rocher. Non, couché. Ok, faut qu'on prenne le forest du rocher au le garde. J'ai dit non. Ok. Faut que je laisse lancer son attaque. Voilà. Et maintenant. Allez, couché. Allez. On va lui tataner la tronche au Pyrodactylus. Ça, c'est beaucoup plus rapide que cette ligne quand même. Hein. Allez, pète-y la gueule. Oh. Tout ce qu'on lui a enlevé, c'est moche! Non. Ok, faut que je fasse encore une phase et je suis bon. Allez, couché!
Après je vais m'occuper des Dinolfos. Ok. Un Pyrodactylus down. Alors on va foncer. Ah, est-ce que je vais activer le hibou au passage? Ok, 1000 Pyrodactylus restant, bon ça on s'en fout pour l'instant. Pas encore, je n'ai pas assez de force pour m'éveiller. Je vais m'occuper des Dinolfos. Darounia, un missile ténu apparaît au nord de la montagne. Ça c'est mon Darounia. Coucher le Dinolfos. Il y a un endroit pas sur la muraille. Détruisons avec le missile ténu pour entrer. Ouais, j'approuve. Ok. Il n'y a plus de Dinolfos. On est bon. Ok, une sentinelle. Faut qu'on repasse sur la bombe. Coucher. Ok, protégez le missile ténu et détruisez le mur. On va prendre le fort central tant qu'on y est. Attends, une autre sentinelle. Pyrodactylus avance vers le missile ténu depuis le nord. Ok, il va falloir qu'on aille l'intercepter. Où est le boss du fort? Eh, j'ai pas vu que j'ai pris autant de dégâts, moi. Le boss du fort est là. Ok. C'est bon, on a pris le fort. Attends, il y a un hibou par ici. On active le hibou. Ok, je vais aller intercepter le Pyrodactylus. Eh, Pyrodactylus. Non, pas changement, reviens sur Link. Eh, Pyrodactylus. Viens ici, c'était un homme. Les troupes ennemies ont fait fuir le capitaine Hyrule, tant pis. Allez, on est tatane. Allez, viens ici. On va occuper le Pyrodactylus, comme ça on est bon. Allez. Viens là que je t'apprenne le respect, tu vas voir mon rang. Ok, on a dégagé un maître Salfos en plus de ça. Ok, ça va, on a bien entamé le Pyrodactylus. On se prépare. Attaque un meilleur d'or, vous faites le missile d'avance, mais tu m'excuseras, j'ai un Pyrodactylus sur la tronche. Ennemi l'armée de Ganondorf. Oui, bah je m'occupe du Pyrodactylus et j'arrive. Prise du forest de la plaine par l'armée d'Hyrule. Yes! Bien, ouais, je les doudes. Allez, la Midona file un coup de main, yes! Merci Midona. Allez, utilise ton lance-flamme. Allez, on va le finir. Le coup point faible devrait suffire normalement. Allez, Midona, c'est le moment de filer un coup de main. Avec Link en plus. Et niveau 36. Allez, on le finit. Ok, il n'y a plus de Pyrodactylus, on est bon. Ok, où est l'armée de Ganondorf? On a vaincu les Pyrodactylus. Ok. On va juste foncer pour leur filer un coup de patte. Pour tourner vers les Hebo. J'y suis presque, je vais bientôt pouvoir m'éveiller complètement. Oh oh. Je voudrais pas dire, mais ça sent le sapin, si c'est le cas. Ok, on est là. Le missile ténu est juste là. Allez. Il y a des Dinolfos, des Salfos, faut qu'on s'occupe d'eux. Non. Touché. Ok, 350 kills, on est pas mal. Allez, le missile ténu devrait pouvoir reprendre. J'en profitais pour tataner un Salfos et un Dinolfos. Allez, venez là, les gars. Oh putain, tu te prends un coup fatal, faut que j'en utilise un à un moment donné. Voilà, dégage. Non, coucher. Coucher. Voilà, on a vaincu un Dinolfos, on est bon. Ok, on va profiter pour tataner un peu de monde. On va essayer de revenir filer un coup de patte à Darounia. L'ennemi a l'avantage. Mais non, l'ennemi n'a pas l'avantage. Ah oui, c'est vrai qu'on a le Fort West du Rocher qu'on peut aller prendre. Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est quoi cette croix là? Là, je vais aller prendre le fort tant que je suis là. Yo les dudes! Non, non, non. Je vais m'occuper de la sentinelle. Hop! Parfait. Attends, il y a une autre sentinelle là-bas, je vais m'en occuper. Voilà. Ça, on est bon. Allez, on va tataner tout ce petit monde et on va retourner filer un coup de patte. Est-ce qu'il faut qu'on amène quelqu'un, ça devrait. Envoyer quelqu'un, ouais. J'arrive. Où est le boss du fort? Le missile ténu se met en marche. Oui, ça c'est un bon missile ténu. Ok, c'est bon, on a pris le trésor. Qui doit l'ouvrir? Impa. Ok, dans ce cas, Link. Non, Link, missile ténu. Ok, oui, Impa. Impa n'est pas très loin. Je vais foncer récupérer le trésor.
et je reprends le contrôle de Link. Comme ça, c'est fait. Ok, le missile Tenyu a fait son taf. Nice. Bien, ouais. Allez. C'est quoi, une arme scellée, un quart de cœur, un cœur complet? Un quart de cœur, très bien. Très bien, très bien. Allez, on reprend Link. Maintenant, on les charge. Fort West de la plaine, on le prend. Hey, dude! Ok, l'armée dure, elle avance sur le Fort West de la plaine. Nice! Ça, c'est ce que j'appelle de la... Ça, c'est l'art de la contre-offensive. Hein. Allez. Apparition du boss du fort. Très, très bien. Où est-il? Eh, monsieur le boss du fort, t'es moche! Voilà, forts du port ouest de la plaine sont ouvertes, excellent. Bah, je dis, on peut aller prendre le fort qui est par là-bas. Ce fort est à nous, ouais. Ok, gars, ok, il nous cible Ganondorf qui est à 3 km, tu peux même cibler le Stalfos qui est à côté. Ma véritable puissance est enfin éveillée. Plus personne ne peut m'arrêter après ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ganondorf s'est éveillé, ça sent mauvais quand même. Hein. La force de Ganondorf renforce l'armée de Ganondorf. Ouais, logique. Ouverture de la passage du château, une partie des forts ennemis. J'arrive à débarrasser une bonne fois pour toute l'armée d'Irul. Allez, on va prendre le châtelet. Juste, j'ai vu des sentinelles. On occupe. Niveau 37 pour Link. Il ne va se battre en personne. Nous devons rester sur nos gardes. Ouais, t'as raison. Ganondorf commence à lancer de la foudre. Il va falloir qu'on s'occupe de lui au plus vite. Ok, le châtelet est à nous. Attends, il y a un Dinolfos, on va le finir. Parfait. Le pouvoir des ténèbres est dangereux, ça fait plus dangereux de défier Ganondorf. Tu m'étonnes, qu'est-ce qu'on peut faire? L'aise du château est... Ok, on contourne par l'aise du château. Ouais, c'est une petite bite là, je m'en charge du Ganondorf, tu vas voir. Alors, voir que c'est un qui prend pas beaucoup de dégâts. On se casse! Reprenez le château d'Hyrule. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le tour. Ok, je vais reprendre le château, t'inquiète, Boudou. Donc si je pouvais prendre le petit fort qui est de l'autre côté. Oh, regardez-moi ce monde qui arrive. Les Dinolfos avancent vers Zelda, non. Allez, coup fatal dans le tas. On a même pas un 1000 kills avec ça. Éliminer les Dinolfos, ok. Ok, je vais aller prendre le fort qui est là. Wow! Ok, il y, y a des random éclairs qui peuvent... Oh, il y a déjà un boss du fort, parfait. Alors, on va prendre le fort vite fait, bien fait. J'allais dire, on a pris le fort, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ok, une sculptulador qui est apparue. On va essayer de la trouver, on va essayer de se fier au Screech Screech. C'est ce qui indique sa position. Au pire, elle est peut-être de l'autre côté si on l'a pas, tant pis. Hein. Punaise! Les invocateurs d'élite rejoignent le champ de bataille. Attends, attends, attends. Je m'occupe d'abord des Dinolfos, c'est un peu la priorité. Ok, les invocateurs d'élite vont invoquer des Dinolfos. Et lui, les deux invocateurs d'élite. Ah, il arrive des ennemis de partout. Bah, en même temps, c'est la bataille finale. Vous attendez à quoi? Il prend date de santé. Ok. Non. Touché. J'ai dit coucher, monsieur Dinolfos, voilà. Il doit en rester un quelque part, c'est lui. Après, je vais m'occuper des invocateurs d'élite. Link a pris le contrôle du fort sud de la plaine. Oui, bah t'es en retard. Ok, ils sont éliminés les Dinolfos, c'est fait. Ok, reprenez le château. Mais où sont les invocateurs? Allez, enfin, les invocateurs d'élite, je crois qu'il y en a un qui est vers le milieu, là, non? Je crois, hein. Mais putain! Dude! Voilà, invocateur d'élite, il y en a un qui est par là. Chute du Fort West de la plaine imminente, c'est pas grave. Je veux juste tataner les invocateurs d'élite. Le reste, je m'en tamponne la nouille. Chute du châtelet imminente, c'est pas grave. Ok, on a vaincu un invocateur d'élite, on est bon. Maintenant qu'on y est, ce qu'on pourrait pas prendre la fontaine de. Attends. Bon, il semble que la sculpture est là-dessous. Tiens, boum, j'en étais sûr. Et on a tatané la sculpture d'or. Yes! Les Dinolfos fait tomber le Fort West de la plaine.
Allez, moi je vous charge tout, stade boulet. Ok. Ganondorf a fait tomber le châtelet. Bon, on a récupéré la fontaine. Il y a toujours un autre. Qui est là-bas? Qui est là-bas? C'est Lana. Au pire, je vais prendre le contrôle de Lana. Je vais envoyer Link. Je vais envoyer Link par là-bas. Et je vais m'occuper de l'invocateur d'élite avec Lana. Oui, il est où? Il est là. Oh punaise, Ganondorf est là aussi. Merde. Ok. On va faire plus simple. Tout le monde ici. Tout le monde ici. Parce que là, ça va être la, ça va être l'armée. Allez, je vais te mettre un petit coup fatal pour dégager l'invocateur d'élite et reprendre le châtelet. Comme ça, après, on peut reprendre notre marche en avant. Ok, les invocateurs d'élite sont out. On a vaincu les invocateurs d'élite, excellent. Ok, on est bon. On va reprendre... on va reprendre Link. Link est où? Link est là. Ça tombe bien, il est au bon endroit, Link. Ouais, nous non plus, on perdra pas, je suis d'accord. C'est bon, on doit toujours reprendre le château d'Hyrule. Allez, on prend le poste qui est là. Allez, on est pressé. On prend le petit fort qui est à côté. On dégage le gardien de la porte. On est bon. Ok, les portes du château d'Hyrule sont ouvertes. Tout le monde au château. Tout le monde au château d'Hyrule. On y va. On reprend le château, il est à nous. Ok, attends. Bouge. Je vais tataner les sentinelles. Il y en a une, deux. Voilà, maintenant. Allez, boum! On va dégager le maître Salfos et le Dinolfos. Ok, un Dinolfos de moins. Le maître Salfos est presque mort. Parfait. Je prends les points de vie. Maintenant, on récupère le château. Et ça va, ils sont là. Allez, maintenant, on reprend tout ça. Apparition du boss du fort. Ok, le boss du fort est là. Ok, château d'Hyrule repris. Non. C'est fini? Est-ce qu'il faut qu'on finisse en tatanant Ganondorf? Ok, je pense que ça affaiblit Ganondorf. On a récupéré le château d'Hyrule. Ganondorf, c'est la fin pour toi. Oui, Ganondorf. Il faut qu'on vienne en absence pour prendre le château. Pouvoir s'affaiblir. Eh ouais! Ganondorf est affaibli. Ok. Tous sur Ganondorf. Tous sur Ganondorf qu'on en finisse. Allez, Impa, Midona, tout le monde vient. Tout le monde vient, on va lui tataner la tronche. Ganondorf! C'est la fin pour toi, ma grosse! Pourquoi y a tout ce monde là? Attends. On va se débarrasser de tout ce petit monde pour qu'on puisse se focus sur Ganondorf. Attends, le Stalfos qui est là, je vais lui tataner la tronche. Voilà. Éliminer Ganondorf. Viens là, ma grosse. C'est le moment de dégager. Bon, je me doute qu'il dégagera probablement pas. Bon, je pense qu'une fois qu'on l'aura tataillé, il y aura probablement une autre phase. Putain. Ok, on a vaincu un maître Salfos. Non, on bouge. Allez, je vais juste utiliser ça pour lui faire un joli petit fauchage point faible. Allez. Voilà. Non. Mais le force bravo, il est trop tard, j'ai élevé ma véritable puissance. Non. Ok. Donc il se transforme en Ganon à mon avis. Parce que là on peut pas lui faire de dégâts, donc il va se passer quelque chose. Non, c'est pas fini je pense. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Je suis pas convaincu que ce soit fini. Voilà, parce que ça Triforce va se réveiller. Et on devrait avoir droit à un combat contre Ganon. Eh oui, c'était évident. On ne peut pas faire un bon Zelda si on n'affronte pas Ganon.
Salut mon gros! Comment ça va? Ok, maintenant faut... Ganon rejoint le champ de bataille. Où est Ganon? Je suis Ganon, venez, je vous attends. Misérable Irulien. Allez, faut qu'on élimine Ganon. Oula, il a pas l'air de prendre de dégâts quand même. Hein. Ok, on fait pas beaucoup de dégâts, ça va être un combat très très long. Ça va être un combat très très long. Mais une fois qu'on l'aura fait, on aura fini l'histoire principale du jeu. Ok. Je vais pas laisser tomber le château de Rune. Bon, remarque, on est tous sur lui. Vu comment on est en train de le bourriner, il va pas tenir longtemps. Ganon lance de la foudre sur le château de Rune. Mais regardez à quelle vitesse ces points de vie tombent, parce qu'on est tous sur lui. Okay, eh, je pensais que ça allait durer longtemps, mais honnêtement, on est tous sur lui là. Juste au cas où c'est pas évident, je remets les ordres. Tout le monde tape Ganon. Là, c'est notre objectif numéro 1. On lui tatane la tronche et on en finit avec cette guerre. Ok, Zelda va invoquer la flèche de lumière. Évidemment. Zelda renforce les flèches de lumière, l'utilisation est limitée. Ok, on sort l'arc. Les flèches de lumière renferment une grande puissance, mais elle est affaiblie par les scelleurs de magie. Éliminez-le au plus vite pour restaurer la puissance des flèches. Plus cette puissance est grande, vous pouvez arrêter solidement l'avancée de Ganon. Ganon invoque des scelleurs de magie, ok. Ok. Ok, faut qu'on élimine les scellers de magie puissants. Éliminer les scellers. Oh putain, ils sont partout. Ok. On y va. On a 3. Allez. Attends. Utilisons l'ocarina pour nous déplacer plus vite. Je vais commencer par celui qui est au nord. La façon, c'est la bataille finale. Hein. Allez, on y va. Les scellers de magie. Restez sur vos gardes, on devra combattre jusqu'à la fin, c'est vrai. Alors, petite bite! C'est toi qui m'empêche d'utiliser mes flèches de lumière, espèce de pimpon! Allez! Un scelleur de magie en moins. Il y a des points de vie quelque part? Bon, je vais faire 100. Allez, on part vers l'est. Continue à tenir, je fais au plus vite. Sinon, pour le suivant, je fais de la téléportation pour le suivant. Pas pour le dernier. Comme ça après je reviens. Allez, scelleur de magie, t'es là. Non. Je suis pas d'accord. Allez. 2. Je prends les points de vie au passage. Allez. On va partir là. Comme ça je fais le dernier, je reviens au fort. Allez. Plus qu'à effet, je deviens retourner en puissance. Ouais, je fais vite. C'est épique ce qui est en train de se passer. Hey, salut Magros! Faites pas la fête sans moi! Faites pas la fête sans moi, voyons! Ok, non, reviens sur Link, moi je voulais prendre l'arc. Allez, j'arrive! Allez, flèches de lumière sont complètement restaurées, on va vaincre Ganon une bonne fois pour toutes. J'arrive! Comme j'ai dit, faites pas la fête sans moi! Allez, on y va. Ok, c'est bon. On y va. Fauchage point faible, on y va. Pourquoi mentir que tu n'abandonnes jamais? Non. Tant que tu feras de la merde, on n'abandonnera pas. Allez. On le finit. Ok. Ok, faut qu'on esquive tous ces trucs, faut qu'on les balance. C'est bon! Ouh.
Je crois que c'est terminé. Lana récupère un fragment de la Triforce. Bon, Zelda et Link récupèrent les leurs, c'est logique. On reconstitue la Triforce pour aller le sceller. Et faire en sorte que Ganon ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Bon, c'est sûr que c'est une tronche de ruine, mais là l'ennemi est repoussé définitivement. Ça c'est quand même génial. Ah que coucou! Ah que au revoir! Tout le monde est parti. Il ne reste plus qu'à replacer l'épée de légende dans son socle et tout sera enfin fini. Mais ce n'est pas à moi que revient cette tâche. La paix d'Hyrule repose entre vos mains à tous les deux. Au revoir, Link! Link. Et voilà le travail. Et on finit sur le blason de la famille royale. Ok, donc on a fini la bataille en 18-01, 2124 kills. Ok. Donc on a une épée divine Materorare Plus pour Faille. Un os massif de dragon pour Volga. Une baguette de feu attaque forte 4 pour Link. Une épée affilée attaque spé plus attaque forte 5 pour Impa. Et un sceptre du temps élément ténèbres pour Sia. On a récupéré une gemme rouge de Pyrodactylus. Un gantelet de Ganondorf. 8 carpes de maître Stalfos. 9 crocs de Dinolphos et 24 dents de monstre. Et un petit bout d'illustration en plus parce qu'on a trouvé la Sculptulador. Bien. Bah du coup, l'histoire principale avec Link, elle est officiellement terminée. Je pensais qu'on aurait un générique de fin, mais je pense qu'on l'aura peut-être plus tard. Mais vous voyez qu'on a encore des choses à faire, notamment l'histoire de Linkle à terminer. C'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode, donc la fille en vert, dernière bataille, un héros d'un autre genre, où concrètement on va refaire un scénario similaire sous les traits de Linkle. Dans tous les cas, moi je m'arrête ici pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Hyrule Warriors. J'espère que ça vous a plu, quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir, c'est pas non plus à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Le lien dans la description, je vous le rappelle, si vous pouvez aider. Ça serait cool. Et donc en attendant demain, l'épisode de demain où nous ferons la dernière bataille de l'histoire de Linkle, et ben je vous remercie encore mille fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!